Avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser les frérots. Ça fait plus de 24 heures que mon serveur ne marche pas pour l'instant. C'est en maintenance où il y a l'hébergeur. On attend. C'est pour cela que j'ai raté autant de vidéos ces derniers temps. En fait, j'avais déjà tourné. Vous voyez la vidéo que vous allez voir là actuellement là? Ça, j'avais déjà tourné. Mais je devais me recours pour faire la suite. Sauf que tout ce temps là, le serveur est off et j'arrive pas. Du coup, là même là actuellement que je vous parle, le serveur est toujours off. Bah, j'ai dit vas-y, ça fait trop là. Ça fait déjà presque 5 jours sans vidéo. J'ai dit vas-y, tant pis, je sors cette vidéo même si ça dure pas plus. Même si c'est pas comme d'habitude, ça dure pas plus de 15 minutes. Etc. Je suis vraiment dégoûté, mais j'avais pas trop le moral ces derniers temps. Mais bon, garde le sourire, ça va s'arranger. Enfin, grâce à vous, grâce à votre soutien, j'ai une communauté en or qui me soutient. Après, j'espère, je croise les doigts, les frérots, que le serveur va revenir. Même pour les lives, je peux pas faire pour l'instant. Et je croise les doigts et je tiens au courant de toute façon sur les réseaux sociaux. Encore, désolé. Vaut mieux que je vous sors ça parce que sinon aujourd'hui, il y aurait pas eu encore de vidéo parce que j'ai pas fini la suite. Mais mine de rien, c'est court, mais c'est lourd la vidéo. Faites-moi confiance, ok les frérots. Tiens aussi à vous remercier pour les 100 000 abonnés sur Twitch. Merci beaucoup. C'est incroyable pour moi, c'est fou. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, on ne sait jamais. Tous les liens sont dans les descriptions, réseaux sociaux, etc., etc. Il y a un concours pour Instant Gaming aussi. N'oubliez pas, dans la description aussi, si vous voulez gagner un jeu gratuitement, c'est tous les mois, il y a un concours qui est dans la description. Vous pouvez avoir le jeu de votre choix et puis voilà quoi. Merci d'être là tout le temps, de me soutenir malgré tout, malgré mon inactivité. Je le fais pas exprès, je donne tout mon possible. Et voilà, j'étais obligé de parler un petit peu au début de vidéo pour vous expliquer, pour vous dire que je le fais pas exprès. Ça me touche autant que vous. Sur ce, je vous kiffe. Bon visionnage quand même, et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures de Tom Escobar. Big up, je vous kiffe, merci. Bah c'est bien, ça fait contrebas. Ah. Ouais, c'est comme mes couilles. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Non, j'ai pas tout ça, je vous laisse, hein, amusez-vous bien. De toute façon, dans 2 mois, tu vas me dire que ça va être ta fin. Après, moi, je vais devoir la tuer. Après, tu vas... De quoi? Tu vas notre... De quoi? Surveille tes propos quand t'es en face de quelqu'un d'intelligent. Ta gueule. D'accord. Faut quand même avoir un peu de retenue, mes jeunes. Mais toi, t'es belle. Il faut dire la vérité, hein. Faut pas mentir. Toi, t'es bonne. Faut pas mentir. Oui, mais il faut dire ça avec un peu de retenue quand même. Vous êtes une belle fleur. Ah, voilà, c'est gentil, c'est gentil. J'aimerais bien vous arroser. C'est un peu moins. Moi, je vous propose 3 millions de dollars. Cache tout de suite maintenant. On peut pas vous le vendre, mais on peut vous le louer si vous voulez. Et vous avez ce qu'il faut? Vous pouvez me faire visiter? On a tout. Regarde ce petit pistolet là. Hop là, venez, je vais faire un petit test, venez. Hop, je vais le modifier juste ici. Laissez-moi tester. Je modifie ça tranquillement comme ça. Et maman. Waouh. Oups. Pardon. Bah enfin, ouais, moi, ça fait pas ça. Hein. Oh, monsieur. Ok. Alors Ah ouais, là, franchement. Alors c'est quel papa? C'est quel papa? Qu'est-ce que t'as fait? Attends, je te remonte, putain! Attention! Bon, regarde là-bas! Là, c'est du fatal, ça. Regarde! Ah, oh, stop, tu vas niquer tous les machines. Oh. Stop, les machines. Chier, moi, qu'est-ce que toi? Demande mes inventions! Alors, je m'en bats les couilles, mais gamin! Pas les couilles! Le gamin, il fait plus que des trucs que toi! Ah bon, mais je m'en bats les couilles, maintenant. Bah alors, t'en penses quoi? T'as deux tués, toi! Voilà, un peu de sérieux, ok. Tu crois que tu me fais peur avec ton petit joujou là? Tu veux jouer à ça? Oh, arrêtez, arrêtez les gars, stop! Tu veux jouer à ça? On va se calmer, c'est calme-toi, alors, petit. Alors, comment ça, petit? Quoi Emma, imaginez, je vous transforme tous vos armes comme ça. Ah ouais, on aimerait. Tu proposes une location par semaine à 15 millions. T'as malade, toi? Oh, t'as serré. T'as vraiment non, serré, toi. C'est vrai que 15 millions, c'est business. On attend droit à go, parce que moi-même, si je suis le chef, on va dire le chef du business, pour l'instant, je peux te proposer un truc, une location à 10 millions, d'accord? Mais pour l'instant. T'as serré, 10 millions, c'est pas une location. Moi, je te propose 1 million. En plus, je vous fais des inventions. Ok, vas-y, c'est bon, ok, vas-y, accepte. Non, où t'as fumé, quoi? Ah, si, c'est intéressant. Vous aurez des inventions, mais t'es con! Mais les inventions, ils vont nous servir par la suite. Ok, si tu veux, vas-y, mets tout ça en business. Alors? Ok, vas-y, vas-y, je prends la responsabilité. Ouais, j'accepte. C'est qui je donne l'argent, toi? Tiens, bouge pas. Tu donneras ça à ton chef aussi, hein. Ok, patron, je donnerai. De toute façon, vous avez déjà parlé ensemble. Il m'a dit, il avait pas le temps, il m'a dit de voir avec vous. Ok, pas de problème, nickel. Bon, je donnerai. Du coup, voilà, lui, il est con, lui. Regarde comment je vais le faire flipper, hein. Oh putain, non, je l'ai touché. Oh putain, le bon. C'est comme si rien n'était. Arrête, je suis un gamin. J'ai pas fait esprit. Ok, attends, écoute-moi. Viens avec.
notre chef Drago. Excusez-moi. C'est Drago qui lui a dit de venir avec nous. Oui, excusez-moi, du coup, ça a glissé, excusez-moi. Ouais, ça a glissé là, je suis cassé une balle entre les deux. Bah, je te parle là. Ouais. C'est une blague, c'est bon, c'est. Oh là là, j'ai même pas rigolé lui. Allez, bah, merci hein. Allez, vous pouvez circuler. Ouais, mais. Entrez chez vous maintenant, du vent. C'est chez moi maintenant ici. Du non, vent. C'est l'eau. Plus vite que ça. Allez, 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 hop, 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 plus vite que ça. Allez, allez, hop, 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 hop. Quand j'aurai créé mon rebond, vous allez voir si vous allez revenir. Qu'est-ce que t'as dit là, moi? Non, je te dis, tu sais, Robocop, je vais aller regarder ce film là. Ah, ok, ça marche. Bah oui. Non, me prends pas pour un film mamie. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as peur d'un petit garçon? T'es bizarre, toi. Qu'est-ce que t'as dit là? J'ai dit, vas-y, c'est moi, vas-y. Rira bien, qui rira le dernier? Les cons, je les ai carottes leur base, ils sont vraiment débiles. Maintenant j'ai une base. Quand je vais créer mon robot, je vais tout encadrer avec un globe, une force extrêmement puissante. Et ils vont plus jamais pouvoir revenir ici. Tom Escobar est de retour, mes amis, pour vous jouer un mauvais tour. Bon, après quelques jours de travaux, voilà, dans mon nouveau QG que j'ai volé, je les ai arnaqués. Nous, on n'appelle plus ça arnaquer, c'est que je les ai arniqués. Là, je les ai arniqués. Hein. Maintenant, cet endroit est à moi. J'ai travaillé en masse, pour enfin créer l'impossible, comme Agent X. Mais pour moi, il va être plus fort qu'Agent X. J'ai enfin réussi à créer Iron X. Tada! Voilà, Iron X. Putain, il déchire, c'est incroyable. Voilà, là, avec ses yeux rouges, etc. Il a beaucoup de trucs, c'est incroyable. Voilà, en plus, il est aussi autonome. Mais bon, là, je vais faire attention de ne pas perdre la télécommande ou des trucs comme ça. Hein. Je vais bien le surveiller. Là, par exemple, vas-y, Iron, allez, suis-moi. Stop! Voilà, Iron Egg. Oh là là, mes pieds vont arriver à côté de ses couilles. Et après, bah, je vais le contrôler. Donc là, je vais le rentrer en toi, Iron Egg. Et on va aller tester toutes tes nouvelles pouvoirs. Et on va tout dominer. Même si faut retourner la ville. On va le faire pour montrer à Agent X que c'est moi le patron maintenant. Et on va tout faire pour récupérer ce putain d'Agent X. Et en finir avec lui une fois pour tout. Allez, je vais rentrer en toi. Bon, je l'ai appelé Iron X. Mais après, je sais pas si je vais le garder comme ça. Il est comme Iron Man, mais en noir. Vous trouvez pas ça stylé? Putain de bordel de merde. J'ai vraiment géré. En plus, il a un jetpack derrière le dos. Ça veut dire qu'il peut voler. Oui, je peux voler. Oui, je peux voler. Vous me croyez pas? Oui, je peux voler, je vous jure. On va aller tester un petit peu les pouvoirs qu'il a. Regardez-moi ça. Iron X. Oh là là, je suis vraiment incroyable. Allez, on va sortir d'ici. C'est le robot le plus incroyable que j'ai jamais créé. Bon, là, il court un peu lent, hein, d'accord. Mais ça aussi, je peux changer. Attention, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes prêts? On va décoller dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Attention. Ouais, c'est trop top. Oh là 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 là. Je kiffe. Je vous avais dit que c'est incroyable. Voilà, je fonce. La force qui est en moi est là. On va tous les détruire. Regardez derrière mon dos. On va même mettre le blackout. Comment elle est forte, les gars. On va atterrir sur la Masbank et on va attendre la nuit. Vers 22h comme ça, on attaque. Pour l'instant, soyons discrets. Il faut que je vois ce que Iron X a dans le ventre. Est-ce que j'ai réussi ou pas? En tout cas, j'ai toujours l'armure. Regardez comment ça pète là. C'est ça qu'on veut. On va attendre bien la nuit et après, on va attaquer. On va détruire une grande partie de la ville. Oh là là, ça pète. C'est énorme. Et en plus, je peux créer un tornade autour de moi. C'est ça la spécialité d'Iron X. J'ai créé un truc qui peut me permettre de faire un putain de tornade autour de moi. Oh là là. Regardez-moi tous ces tornades, toutes ces explosions. Voilà. Tout autour de moi, tout ça. Tout autour de moi. Attendons le bon moment. C'est pas encore le moment. Bah quoi, je voulais juste acheter un truc à manger. Ça fait, monsieur, j'achète juste un truc à manger. Mange ou pas, là? J'ai recréé mon système pour mettre le blackout. Voilà. Et là, tout le monde croit que c'est Agent X, mais ce n'est pas Agent X. M'appelle Iron X, maintenant. Que la fête commence. C'est parti. Où est-ce qu'on va commencer à attaquer? Regardez-moi ça. C'est ça qu'on fait. Voilà, Agent X, montre-toi maintenant. Je suis prêt! Je suis paré! Paré! Je suis paré! Oh là là! C'est qui le papa? Il est trop stylé! Voilà!
pas. Ils vont tous péter un peu. Bande de gros patins. Électricité. Je vous avais dit, je suis prêt. Je suis prêt. Oh, t'as un Iron X de qui plus rapide que nous, y'a pas. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Bande de gros dégueulasses. Wouhou. Bon, de base, je voulais pas faire du mal à des gens, mais je dois tester quand même. T'as vu ce que j'ai vu ou pas? Ouais, j'ai vu. Mais t'as vu ce que j'ai vu? J'ai pas halluciné, y avait un truc dans le ciel. Ouais, j'ai pas vu de loin, c'était genre un gros truc, mais je... Fais attention, s'il te plaît, fais attention. Bon, bah voilà, j'ai testé mon robot. Bon, là, on va pas trop attaquer la ville, c'était juste pour tester. Et après, bah, on fera comme avant, quand tu sais, je mettais des messages, tout ça. En plus, je vais vous faire écouter ma voix. On va retourner sur l'île. Bon, voilà, je crois que ça va être un bon avertissement, ça. C'est bon. Le retour d'Iron X. Tu es trop content, mon Iron X. Il est en forme. Je suis prêt. Je m'appelle Iron X. Numéro 1. Agent X. C'est bien, c'est ça que je veux. Et c'est qui ton maître? Mon maître est Don Escobar. Mon maître, Don Escobar. Mon but est détruire Agent X et reprendre le pouvoir avec Don Escobar. Ça j'apprécie, ça j'aime. Merci.